Une des façons pour que je parvienne à mieux faire ressortir le son de ma basse est d'effectuer un filtrage dans les graves concernant le sample de piano. Cela me permet également de vous montrer comment fonctionne le mode d'édition des programmes avec un programme de batterie que je vais pouvoir éditer directement depuis l'écran tactile de la MPC Touch. Je vais donc revenir sur ma première piste qui est dans le programme Touch Piano. Je vais toucher l'écran en haut à gauche pour aller dans le menu et choisir la page Programme Edit. Ce programme Touch Piano n'a qu'un seul sample sur ce pad. En mode d'édition de programme, j'ai la possibilité d'effectuer des modifications de plusieurs manières. Je peux faire des ajustements sur un pad, sur plusieurs pads ou encore sur tous les pads. Pour ce faire, j'appuie sur le coin ici en haut à droite, puis je choisis à partir de là la zone que je veux affecter, que ce soit une partie ou la totalité des pads. Là je suis sur Current, c'est donc ce pad sur lequel j'agis. Je peux appuyer ici pour choisir d'agir sur tous les samples, sur tous les pads dans toutes les banques. Du coup, chaque changement effectué sur les paramètres aura des conséquences sur tous les samples. Sinon, je peux choisir l'option Multiple. Et du coup, sélectionner plusieurs pads qui seront affectés par les modifications. Comme je n'ai qu'un seul sample, je vais repositionner sur Current, puis je vais sélectionner ce pad. J'appuie sur Close pour fermer la fenêtre. Maintenant, toutes les modifications que je vais faire vont affecter ce pad et seulement celui-ci. Tout en haut de l'écran, vous pouvez voir le pad qui est concerné par les modifications. Ici, en l'occurrence, nous avons le pad A01. Je vais maintenant aller sur le bas de l'écran pour choisir Filter ENV pour Envelope pour utiliser des filtres disponibles sur le logiciel MPC Software. Je veux pour ma part utiliser un filtre passe-haut et j'ai plusieurs manières d'y arriver. Je peux appuyer deux fois sur l'écran ici, puis choisir le type de filtre que je souhaite depuis ce menu déroulant. Mais d'une autre manière, comme cette section est entourée d'un cadre contrôlé par les potentiomètres Q-Link, je peux donc utiliser le potentiomètre Q-Link numéro 1 pour choisir mon type de filtre. Une fois fait, je peux utiliser le second potentiomètre pour ajuster le cutoff du filtre. Si j'appuie sur le bouton Q-Link pour aller à une autre banque, vous remarquerez que le cadre d'action défini à l'écran change de zone de contrôle. Là, je peux contrôler le type de filtre et sa résonance. Je vais donc relancer la lecture et utiliser le réglage cutoff pour supprimer certaines fréquences de ce sample pour laisser le son de ma basse mieux ressortir du mix. Si je souhaite maintenant ajouter de la résonance, il me suffit de tourner ce potentiomètre-ci et le quatrième potard en haut me permet d'ajuster l'enveloppe du filtre. J'ai donc un accès en temps réel sur le filtre dans cette configuration.